2016, Père Simoli, qui sont père catholique, ils ont assassiné Père le 21 décembre 2017. Étudiants tombent tout. Parce que nous avons Jean-Éric Moncher, qui est dans la 5e année de la faculté de médecine, dans l'université Docteur Jean-Bertrand Aristide, il est tombé tout le 25 août 2017 là. Il y a un pile l'autre monde, quand on avocat maître Jean-René Misère, qui est tombé en babal assassin. Le couple d'Orsainville, dont sénateur Larèche, ses grands frères, madame non, ils ont assassiné tous deux dans la même machine qui était petit orphelin. Nous prenons tout cas ça. Nous pas oublier la police qui gagne un monde pal tout tombé. Par exemple, inspecteur Paul Gilbert, qui était un agent dans primature, mais qui tombait en babal assassin. Nous pour échantillon, mais si nous continuons, nous avons joué un président, gagne un monde qui a pris les bouettes dans le Kwabo Salla qui a tombé en babal assassin. Ça veut dire que nous tous sommes concernés parce que toute couche dans la société est concernée. Je dis à nos villes là, nous relais CSPN non. Pour nous garder ensemble avec lui, qui s'est passé dans Miragouane, qui permet au jeune garçon qui relais Robinson François, l'y assassiné en date du 15 février 2018, Kayon Moun, qui a fait politique, qui relais Amatas Jean-Philippe. Nous besoin qu'on ait comment faire policier tomber blessé en bas de l'assassin, nous, ça paraît comme si il n'a pas retenu attention, opinion en vrai. Nous besoin qu'on est président, 250 Galil, dans la période de transition entre président privé et président Martelly et privé, qui disparaît, nous t'es touché de ça, côté 150 Galil, ça y est, mais qui est-ce qui est? Est-ce que Galil ça yo au service de l'État ou bien est-ce que compte l'État dans le fonctionnement? Nous besoin qu'on est président avec CSPN non. Qui ça a fait pour Grand Ravine, population Grand Ravine non aller en souffle en bas mais moun qui gen zam k'a fait ou passer misère? Qui ça yo compte fait pour permettre village de Dieu, cité plus, cité de l'Éternel, bicentenaire, premier, deuxième, troisième, quatrième avenue Bolos, pour zone Sayo, la vie t'a qu'à retourner là-dedans. Car dans zone Sayo, même élève Jodia, qui a difficulté pour aller à l'école, voir un monde qui t'a remis à l'église ou à l'activité personnelle. Yo. Président, nous relais le CSPN, non? Nous connaissons ces dossiers qui sont sensibles, n'a pas là, qui ces dossiers sécurité. Moi, qu'on est gagné deux sénateurs qui t'ont demandé commission pour nous demander relever CSPN ici. C'est sénateur Denis Kado et sénateur Nenel Kassi qui ont même sorti dans NIP. Ils ont une information que vous voulez partager avec CSPN. Ils ont même demandé en commission d'enquête qui t'a regardé ce qui a passé dans NIP. Mais moi pense, si nous faisons l'État vrai, nous voulons respecter principe sécurité yo gain information nous pas kabay publiquement devant j'ai la presse parce que bataille que nous pral mener pour sécuriser pays a l'a demandé pour nous adopter ensemble comme autorité des stratégies qui ka permettre n'al porter réponse sécurité a bay population. C'est peut-être ça m'a demandé président que nous t'ai fait séance de travail ça suivant ça sénateur Nenel et sénateur Kado t'a décidé t'a voulu proposer assemblée moi même m'ai demandé pour un travail en huis clos. En huis clos t'a permettre après bien sûr la séance de travail nous t'a rencontré avec Zami la pression pour nous parler avec eux pour nous parler à population pour nous dire mais qui ça nous joigne comme décision sur ça que dans séance de travail ça. Mais la presse a compris, et moun kap gade nou yo a compris, non pas qu'à vin di ki sa nou pral fait contre insécurité ya, pendant que tout moun gen droit pour y ap suivre
c'est en ça que monde de bien yo yo même y a suivre là. Et c'est donc président nous t'a remé nous circonscrit séance travail ça non séance à huit clos côté nous même accès SPN n'a dégagé des pistes pour une joindre des stratégies qui capable plus utile yo pour au moins population nous li rejoindre souffle pour vivre en paix Jean ça t'a dû fait. Merci beaucoup président et m'a souhaité déjà bonne séance de travail. Merci beaucoup, sénateur Sénatus. Nous prenons acte de proposition ou recommandation qu'on fait. Hein. Et m'a demandé, président CSPN, est-ce qu'il y a une objection? Monsieur le Président, le sénateur Salomon sollicite la parole juste avant. On va permettre pour le sénateur Salomon, vu que... Bon. Excusez, monsieur le président CSPN, non. N'a permettre que le sénateur Salomon fait brève intervention, non, avant que moi passe la parole. Mais il y a aussi le sénateur Kato, et le sénateur Cherami, qui les mêmes tout a souhaité, font une brève intervention. Tout. Immédiatement après, n'a permettre que le président CSPN non, réagit. Merci beaucoup, monsieur le président. Alors, ce n'est pas une intervention, mais de préférence, c'est une petite remarque que m'a fait et n'en déplaise à votre honorabilité en tant que président du Grand Corps. Et moi, je pense que le président du Conseil supérieur de la police nationale n'a pas gagné pour le gagner objection, parce que c'est le Sénat, tout simplement, qui formulait une demande par le biais d'un collègue. Donc, c'était une remarque ça que je voulais faire. Très bien, sénateur, cher ami. Sénateur, cher ami. Salut au président, salut tous les collègues, salut les invités. Et c'est pas beaucoup pour la parole, non, je juste voulu faire un petit ajout. Je t'ai remis séance à faire en direct, président, pour la population comprendre que nous-mêmes, c'est le travail qu'on a fait et pour entendre le premier ministre. Bonjour, président. Pour entendre, beaucoup fini de parler. Bonjour, président. La motion est automatique et cette motion est accordée au sénateur. Moi, en boîte le pas aux recommandations du sénateur Sénatus qui m'a dit pour faire séance là à huis clos. Il y a des informations sensibles. Nous sommes dans le domaine des affaires de l'État. Nous sommes dans le domaine des affaires d'État. Il y a des informations sensibles. Nous supposons gagner d'abord avant que nous divulguions quoi que ce soit. Donc, dans ce sens-là, moi, emboîter le pas, président, au sénateur Sénatus, m'appuyer aux recommandations pour que ces séances-là soient faites à huis clos et puis après, gagner des informations que nous avons passées par la presse. Merci. Président, sénateur, moi, je pense qu'il faut que si nous travaillons pour une population, je comprends et nous ne pouvons pas le dire en direct. Mais qui décision CSPN n'a pas le prend pour combattre l'insécurité. Ça, c'est, ça a été dans le cadre de stratégie, la police là et la justice. Mais il y a des problèmes, faut poser publiquement. Il y a des problèmes, ça a été si on travaille pour un peuple et puis la suivre, ça n'a pas fait. Motion, président, motion. Ça va gagner là-dedans, non? Motion. Motion, accordé au sénateur, Fétien. Je vais me rappeler à. Et sénateur, cher ami, que
nous en sécurité. Dans le domaine de la sécurité. Il n'y a pas de public comme ça. Il n'est pas possible. Eh bien, pour qui ça nous fait? Les que nous prenons pas les deux bagailles qui vous faites socialement, yo, qui pour venir aider sécurité, n'a fait le public. Mais si nous ne parlons pas de sécurité, les amis, nous bon, je vais vous faire. Mais c'est samedi ou? C'est samedi ou? Il y a des stratégies qui ne peuvent pas venir en direct. Mais nous avons un débat sur le problème, yo, nous ne pouvons pas faire en coulisses, il faut le faire public. Faut le faire public, faut tout bagaille ou parler en clair pour population. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pas qu'il y ait une motion encore sous intervention sénateur Chéramia. Sénateur Chéramia, ça va? Vous avez terminé? Pardon? Vous finissez? Non. Oui, je pense que le président va pas accorder la population ça, au moins, pour suivre ce qu'il a dit et ce qu'il a fait dans la séance. Non? Très bien, sénateur Sorel. Monsieur le Président, chers collègues, moi, pas d'accord avec collègue Kato. Allô? Qui dernier fois tu es d'accord avec moi? Moi, pas d'accord avec collègue Kato, malheureusement. Je sais pas, je suis d'accord avec moi. Très bien. Malheureusement, président m'a toujours dit ici à moi-même. La carrière politique, moi, être sénateur, je suis un homme d'État. Demain matin, moi-même, ou bien vous-même, ou bien Kato, nous sommes président de la République. Problème, ça l'a toujours posé. Si pas qu'il y a des mesures qui prennent, et ce que moi j'appelle des mesures combinées. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la sécurité publique. On parle d'une affaire d'État parce que l'on n'a pas les sécurités ou est économie ou est sociale ou est tout pour mon pays. Suivant ça que moi-même moi était ouais. L'autre jour, débarquement que m'était ouais. Donc l'interpeller moi-même en tant que sénateur. L'interpeller quel que soit sénateur, et chaque sénateur. Je vous dis à ces premiers ministres, ces Jovenel. Monsieur le président Jovenel, qui a la tête PIA, je dis à ces moins que sénateur, d'un matin, il est capable de virer pour le pouvoir PIA et nous, chaque là, nous avons PIA la même. Si je dis à nous, invité Premier ministre, là, monsieur le président, c'est pour d'une façon ou d'une autre. Monsieur le président. Motion accordée au sénateur Kassi. Je pense que tous les deux collègues qui ont président ont raison. Mais ça, pour nous essayer de comprendre, je pense que c'est le débat à commencer. Parce qu'il nous a fait droit avec les demandes du président sénatus. Parce que c'est CSPN qui peut dire nous, ah, il y a des dossiers sensibles, il va aller, parler, puis il a demandé de passer à huis clos. Exactement. Mais d'entrée de jeu, je pense qu'il n'y a pas de bon ton pour nous priver la presse et la population de ce qui a passé. Motion. C'était une motion. Sénateur Sorel. Président. Jodia, c'est nous qui invitons CSPN. C'est nous qui connaissons qui nous voulons dire. Ce n'est pas lui qui va déterminer qui nous-mêmes nous voulons dire et qui nous-mêmes nous voulons faire avec. Donc, dans le sens ça, M. le Président, si ces résolutions, ces solutions à chercher, nous demandons pour tenir compte de propositions collègues sénatus. Merci, M. le Président. Très bien. Avant que. Non, continuez, avancez. Nous notons tous les sénateurs qui m'ont dit la parole, plus particulièrement le sénateur Larèche, au sens de sous liste en quatre. On est là avant, on est là avant. Ce sénateur Ricard, Oni, Bélizé et puis Larèche. La préciser que si moi, en tant que président, j'ai choisi pour me dire si CSPN n'a pas d'objection, c'est parce que n'a déplaise. Au collègue Salomon, et que demande de huis clos pas de fait dans les formes régulières. Toute demande de huis clos qui fait dans l'Assemblée, il faut qu'il y ait appuyé par 5 sénateurs. Depuis le fait dans les formes régulières, m'a tranché ipso facto sur le champ, séance tenante. Mais tout en que le pas fait dans les formes régulières,
m'obliger tout à tout demander CSPN là. Ça le pensait. Et si CSPN a estimé que il y a des bagages que l'abdi qui pas nécessairement obligé à le faire en huis clos, c'est à eux-mêmes de savoir. Mais si maintenant, côté même ma parler, et que nous gagnons demain sollicité par le sénateur Sénatus qui est appuyé de 5 sénateurs, huis clos l'a automatiquement accordé. Et le ça n'a prêté en règlement intérieur. La parole, je poursuis avec la séance et la parole au sénateur Ricard et ensuite au sénateur Rony Célestin. Président, en attendant que formellement. On va demander formellement le huis-clos. En attendant que formellement nous produisions le mandat. Merci, Président. Moi, salut mon bureau. Hein. Salut, collègues sénateurs. Et profiter de saluer mon CSPN qui est là. Pour venir adresser problème insécurité qui a ravagé le pays. Jean, sénateur, sort fait exposer là, qui a touché toute couche dans la société. Moi, comprendre, président, préoccupation, collègue qui a appuyé, demande huis clos, parce qu'effectivement, gagner des dossiers sensibles qui concernent la sécurité, nous ne doit pas capable de partager là, en séance plénière. Surtout s'il va s'agir de stratégies à utiliser pour combattre l'insécurité qui a ravagé le pays. Cependant, dans l'ordre du jour, le président a un point 4, un point 5, qui est présentation de la situation d'insécurité à travers le pays par le Premier ministre. Je pense que point ça, faut qu'il ait fait en séance plénière pour permettre au pays à attendre chef CSPN. Non, pour permettre pays à ouais comment premier ministre là ouais question insécurité ya comment comprendre question ça au moins qu'a commencé permettre peuple à connaître qui ça pour l'attendre ni de gouvernement en ce qui concerne cette situation de sécurité qui a ravagé pays. Très bien, sénateur Rony. Président, je m'entends des collègues avec un peu d'attention. Je m'entends tous les collègues qui ont demandé pour la séance en fait publique là, ils vont rédiger en assemblée. Aujourd'hui, nous avons un président bureau qui décide sur l'assemblée. Depuis la majorité a fini d'accord pour qu'on y clôt, c'est pour une Sibi, en bas de la majorité, on va dire quick. Monsieur le président. Monsieur le président.